Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons construire une maquette en papier de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Commencez par découper toutes les pièces présentes sur les trois pages de patron. J'ai pris soin d'en découper deux avant la vidéo. N'hésite pas à bien découper les coins internes pour ne pas gêner le pliage pour la suite. Pour construire le corps de l'ISS, prenez la grande pièce et effectuez les pliages le long des lignes pointillées sur les bords. Mettez de la colle sur la partie quadrillée et venez la coller avec la partie opposée pour faire un tube. Mettez aussi de la colle sur les triangles et sur les cercles aux extrémités afin de refermer le tube. Prenez maintenant les deux éléments avec un E rouge et blanc qui vont constituer le support pour les panneaux solaires. Effectuez des pliures le long des pointillés et mettez de la colle sur les parties quadrillées. Vous devriez obtenir deux prismes carrés droits de longueur différente. Venez coller les deux E ensemble en veillant à faire correspondre les couleurs rouge et blanche. Prenez les quatre petits modules, faites les pliures sur les pointillés et mettez de la colle sur les parties quadrillées. Vous obtiendrez trois petits tubes et un petit carré.
Prenez maintenant les deux tubes comportant la lettre J, mettez de la colle sur les deux J et collez les modules ensemble. Collez la lettre K du module que vous venez d'assembler sur la lettre K présente sur le corps de l'ISS. De face, le petit module JLM doit être vers le haut. Collez enfin le dernier cylindre de l'autre côté en faisant correspondre les lettres C. Prenez maintenant le grand prisme carré droit et collez-le sur le dessus du corps de l'ISS, faisant correspondre les lettres F. La lettre T du prisme droit doit se trouver proche de la lettre Z du corps de l'ISS. Collez le petit module carré derrière le prisme droit carré en faisant correspondre les lettres T et Z. N'hésitez pas à mettre du scotch pour tout faire tenir car cette partie peut être assez fragile. Pour assembler le cockpit, pliez les trois languettes, mettez de la colle sur la partie quadrillée pour créer un petit cône, puis collez-le sur le devant de l'ISS en faisant correspondre les lettres P. Désormais temps de s'attaquer au panneau solaire arrière. Collez les deux croix l'une sur l'autre afin d'avoir un côté orange et un côté bleu. Puis, collez le centre de la croix bleue à l'arrière de l'ISS.
pouvez maintenant prendre le petit élément avec un O et le coller sur le O correspondant sur le côté de l'ISS. Pour continuer, prenez les radiateurs et effectuez des pliures dans les deux sens sur les lignes pointillées jaunes pour créer un effet zigzag. Collez-les en faisant correspondre les flèches présentes à l'arrière du futur support des panneaux solaires. Prenez les petits panneaux solaires et collez un élément orange avec un élément bleu, et venez les fixer sur les petits ronds orange à l'arrière de l'ISS. Pour finir, prenez les grands panneaux solaires, pliez-les au milieu et collez-les sur les ronds orange au-dessus et au-dessous de l'ISS. Vous pouvez maintenant jouer avec votre maquette ou l'accrocher chez vous.